sommes le 24 décembre à Isola 2000 et c'est le réveillon de Noël. Là, nous sommes à la messe. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. La salle mercière était bondée pour la cérémonie religieuse et en attendant, on prépare la chamallow party juste devant sur le front de neige. Voilà, c'est parti. Le centre station qui s'est rempli petit à petit. Et pendant ce temps-là, les moniteurs qui s'équipent et qui vont prendre la télécabine du Mercantour pour la descente au flambeau. Pour patienter, on distribue du chocolat chaud et du vin chaud. Brochette de chamallow distribuée par l'Office du Tourisme. De plus en plus de monde sur le fond de neige. Et les moniteurs qui sont arrivés à la télécabine du Mercantour et qui vont la prendre. Les cônes blancs que vous voyez, ce sont les flambeaux. Ça permet de s'en servir plusieurs fois et en plus, on ne se brûle pas. Il n'y a pas d'éclairage dans la cabine et le flambeau est bien utile. Là, il y a de plus en plus de monde, comme vous pouvez le voir, sur le fond de neige, les restaurants sur la piste, et la chapelle Notre-Dame-des-Vies, et nos moniteurs qui sont arrivés en haut de la télécabine. À présent, ils vont se diviser en deux groupes, ceux qui vont descendre par avenue et ceux qui vont descendre par Chamois-Chaplin. Sur le front de neige, eh bien, on a fait griller les chamallows, on a bu du vin chaud, du chocolat chaud, et on est prêt. Le signal est donné, et c'est parti.
quelques instants plus tard, ils arrivent au milieu de la foule, accompagnant le père. Et là, une banquette a été installée pour le Père Noël pour que les enfants puissent se prendre en photo. Salut les loulous, c'est Cécile 10 de la 2000. Aujourd'hui, on va tester une innovation ski. Donc, je viens de retrouver Olivier. Enchanté. Qui fait partie, donc, tu vas m'expliquer ce que c'est le snook. Oui, alors, ben, le snook, c'est en fait, ce sont des skis de randonnée qu'on transforme en luge monopatin, en paré. C'est une glisse qui est complètement accessible, je dirais, au plus grand nombre. Alors, attends, je te coupe, mais monopatin... Donc... Monopatin, avec un seul patin. Tu veux D'accord. que je te montre ? Ah, mais carrément. Allez, je te montre. Regarde. Tu vois le snook ? C'est un nouvel engin de glisse. D'accord. Avec un ski qui fait 1m40, oui. Qui fait 100 patins, avec de vrais quarts. Donc tu as la même approche que le ski, à part que debout, à part que c'est du ski assis. D'accord, voilà. Et ça existe depuis combien de temps ? Ben, le snook aujourd'hui il existe depuis 4 ans, ouais. On est sur la 4e année d'exploitation. Ok. Donc on commercialise le snook, la pratique et l'engin sur la France, D'accord. la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie aussi, la Turquie. La Norvège, et okay. depuis peu de temps, depuis un an maintenant, on est présent en Chine, où on développe sur les sites olympiques. D'accord, le Galaxy, excellent. Wanlong et Taiwu. Donc c'est une nouvelle discipline de ski, que je vais découvrir avec toi du coup. Voilà, tu vas le découvrir avec moi, en toute sécurité, tu vas voir, c'est vraiment accessible, en deux pistes, tu es vraiment opérationnel. D'accord. Et tu as une sensation comme si tu étais sur un karting sur la neige. D'accord. Donc, tu as un centre de gravité qui est très bas, ouais. à 20 cm du sol. Et tu vas voir, c'est vraiment super, c'est vraiment génial. C'est à la fois ludique et convivial. Et du coup, on peut pratiquer ça à tous les âges ? Alors écoute, vraiment à tous les âges. Sur les pistes d'Isola 2000, tu peux commencer à partir de 9 ans. D'accord. Et jusqu'à plus de 70 ans. Quoi. Donc voilà. C'est surtout destiné au départ aux non-skieurs, mm-hmm. aux gens qui ne savent pas très bien skier. D'accord. Pas très bien snowboarder, qui pour c'est lesquels parfait pour moi. Voilà, pour qui on donne accès à la montagne et ouais. aux remontées mécaniques. Et puis aux gens aussi qui ont des problèmes de motricité aux genoux, notamment, donc qui ont un certain passé en ski, en snowboard, qui aiment encore la glisse, qui sont passionnés. Et voilà, ils retrouvent cette sensation de glisse avec le snook. Et puis aussi aux gens qui sont amateurs et passionnés de nouvelles glisses, qui ont fait un petit peu le tour du ski, du snowboard et qui maintenant veulent avoir un engin qui est complètement innovant et créatif. D'accord, voilà. Avec des nouvelles sensations. Et de nouvelles sensations. Okay. Et surtout en toute sécurité, c'est ça qui est important. Canon, on y va ? Allez, on est parti ? C'est parti. Allez, c'est parti. Je te suis Olivier. Alors, ça marche comment ? Alors, ça marche très bien. D'abord, il faut avoir des chaussures souples. Ouais. Parce qu'on ne peut pas y aller avec des chaussures de ski. Ok. Donc, tu vois, on met des chaussures de randonnée ou des après-ski. Donc, vraiment pour les conditions de sécurité. Ok, chaussures étanches, quoi. Chaussures étanches. Vaut yes. mieux parce que quand okay. on va aller dans la neige, comme là, tu vois, aujourd'hui, il est tombé de la neige hier sur Isola 2000. Ouais. Donc, avec la poudreuse, il vaut mieux avoir des chaussures étanches. On va mettre le leash. Le leash, c'est obligatoire parce que tu n'as pas de stop ski. Donc, on met le leash autour de la taille qu'on ouais. règle pour les conditions de sécurité. Tu vois ta taille, voilà. Au moins là, on peut prendre les remontées mécaniques en toute sécurité. D'accord. Donc le snook, là, il est monté en mode descente. Donc c'est pas compliqué. Il y a deux gestes fondamentaux à respecter. Donc tu t'assois sur ton snook. Tu vois qu'il y a un siège thermoformé okay. et une lame carbone, une suspension carbone derrière qui nous permet d'absorber les chocs. D'accord. On se met les pieds à 20 cm du ski. On garde bien les pieds à plat, qui nous permet d'avoir la stabilité. La stabilité, c'est important parce que si tu lèves les pieds, tu vas être déséquilibré, ouais. tu vas perdre l'équilibre à droite ou à gauche. Et si tu mets les talons pour essayer de freiner, tu vas aussi le déstabiliser. Oui. Et puis tu vas avoir des projections de neige sur le visage. Donc on essaie au départ, surtout pour les débutants, de garder les pieds à plat. Après, c'est très simple, c'est comme tous les sports de glisse. C'est ton regard qui va dicter le pilotage du snook. Okay. Donc avec ton regard, tu vas aller chercher ta main derrière, tranquillement. Ok, tu bouges les épaules. Et tu vas faire pivoter à la fois ton bassin et D'accord. les épaules, avec ta tête.
Et donc le snook, il va tourner, il va pivoter à droite et à gauche. D'accord. C'est le mouvement du balancier, ce qu'on appelle communément le backside frontside. Ok. Le stick que tu as ici, c'est uniquement une position de confort. C'est quand tu vas aller carver, quand tu vas aller chercher dans la pente, tu vas sur la carre, tu vas vraiment prononcer le geste et quand tu vas pouvoir renvoyer derrière, donc le ski est vraiment adapté pour faire des belles courbes. Et donc tu vas partir sur la droite et sur la gauche et tu vas voir tes pieds, ils vont se mettre en système aussi. D'accord. De cette façon, qui va te permettre de garder l'équilibre et surtout d'aller chercher la pente et l'inclinaison, donc le carving. Voilà. Pour freiner, c'est très simple, c'est comme tous les skis de snowboard, tu as de vrais cars, donc tu slides en te mettant sur le côté. Ok, d'accord. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à essayer. Ok, bon, je chauffe un petit peu. Bon, c'est parti. Dré dans le pentu, nom de bleu. On va te mettre une neige dans le visage. Voilà, et après, voilà, exactement, c'est ça. Tu vois, tu regardes sur la gauche, voilà, et après tu changes. Voilà, exactement, tranquillement. Okay. Super, super, t'es prête, t'es parée. Ouais. Bon, c'est bien parce qu'en plus, c'est pas très lourd, donc... Et puis c'est très agréable, tu verras. Ouais, pas mal je crois qu'on va se marrer, en fait. Et la glisse, c'est instinctif, ça va très vite, tu vois. D'accord, bon. Allez, test! Traîne dans le pentu! Allez, est parti! Allez, tu me suis? Oui! Allez, yep, part! Et voilà parti jusqu'à la télécabine du Mercantour pour ensuite, une fois en haut, prendre des pentes plus sérieuses. Là, nous sommes sur Chastillon et tout au fond, vous avez la télécabine. Arrivé en haut, c'est parti pour la grande aventure. Là, nous sommes dans Chamois-Chaplan pour finir. La semaine du 3 au 8 décembre 2018 à Isola 2000 avait lieu des courses FIS. FIS, c'est donc des courses internationales sur la piste du même nom qui venait juste d'être inaugurée. Nous sommes en train de la survoler, elle fait 1600 mètres de long, un minimum de 40 mètres de large et pour l'occasion, elle s'arrête un peu plus haut. Nous sommes à l'arrivée du géant du deuxième jour. Et là, nous sommes au départ, au niveau de la gare de la télécabine du Mercantour. Le 1 au départ, Diego Orecchioni de Courchevel. Il finira deuxième. Une centaine de concurrents venus de toutes parts se sont affrontés sur cette piste toute récente. Il y a des Suisses, des Français, des Américains, des Italiens, des Belges. Oh.
Aujourd'hui, c'est un slalom géant. La veille, c'était un slalom. Et c'est un Français, même un Isolien, qui l'a emporté. Il s'appelle Théo Le Titre et nous allons lui poser quelques questions. Je suis avec Théo Le Titre qui est à côté de moi, que je vais vous présenter, car il vient d'avoir un record, un premier podium, une première place, hier sur la nouvelle piste. Ouais. Alors raconte-nous un petit peu. Bonjour à tous, hier il y avait donc une course internationale de ski organisée par la Fédération internationale. Et donc avec plein d'étrangers et moi j'ai fini premier donc c'est sympa. Et, tu dis ça comme ça, du coup j'ai fini premier. Non, est super content. Ouais, moi je suis vraiment content de gagner ici à Isola. Ouais. Parce que je viens d'ici donc ça me fait extrêmement plaisir de gagner devant ma famille et tous les amis. Ouais. Et puis voilà, après c'est le début de saison donc sportivement c'est de bonne augure de commencer par une victoire. Et alors, donc hier, tu as remporté la course, le slalom. Ouais, le slalom, c'est ça, ouais. D'accord. Et en fait, on en a plusieurs dans l'hiver. C'est des courses que tu as un peu partout dans le monde. Et là, sur le circuit français, on faisait étape à Isola 2000 et j'ai remporté. Donc. Et alors, tu es aussi champion de France. Ouais, c'est ça. L'année dernière, j'étais champion de France junior. Donc, ouais. U21 pour parler technique. Et de slalom. Et voilà. Bon, donc en gros, là, ça s'annonce bien, ça t'amène des points pour les prochaines compétitions. Ouais, c'est ça, ça m'ouvre des portes pour partir en Coupe d'Europe ou dans un premier temps. Et après, faudra essayer d'être bon en Coupe d'Europe pour aller peut-être en Coupe du Monde. D'accord. Et gravir les échelons, quoi. Et là, c'était les premières courses même de la saison globale. Ouais, c'est ça, en France, ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça. Eh bien, encore félicitations, merci, on est gentil, trop contents. Un Isolien qui. Qui gagne sur en plus la piste qu'on vient d'inaugurer c'est samedi. Cool sur la nouvelle piste qui est vraiment bien. Je suis content de montrer que les Isoliens ils sont bons. Ouais. Aujourd'hui, c'est donc un géant organisé par le club d'Isola et le Monte Carlo Ski Club. Et le délégué technique pour cette course est Jacques Pastor. Nous allons lui poser à lui aussi quelques questions. Cette compétition organisée sur la piste FISE, qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, vraiment un grand bonheur. Un grand bonheur d'abord d'avoir été choisi et d'avoir collaboré avec la Fédération française de ski pour les premières courses en tant que délégué technique. Ensuite, d'avoir pu aujourd'hui organiser le championnat de Monaco. Et ça a été un grand bonheur parce que cette piste a été bien pensée. Tout y est. C'est varié, c'est engagé. On a vraiment un très très bel outil et ce n'est pas uniquement mon avis, c'est l'avis de tous les entraîneurs qui étaient là. Un très très bel outil pour pouvoir promouvoir le ski et le ski de compétition sur la Côte d'Azur, bien sûr, à Isola 2000 et chez Caoron, on peut faire aussi de belles choses. Mais on est vraiment là dans la meilleure configuration possible pour que nos jeunes skieurs français, monégasques, mais étrangers aussi, il y avait quand même 9 nations, aient pu s'exprimer et encore progresser. Vraiment, moi, je ne sais pas qui faut remercier. Enfin, si, je sais qui il faut remercier, mais on remercie vraiment toutes les personnes qui se sont impliquées dans la création de cette piste. Alors, ça vient un petit peu à la suite de la visite qu'on avait fait avec les délégués techniques, qui avaient déjà apprécié la manière dont la piste avait été créée et modelée. Mais aujourd'hui, on a pu l'essayer en conditions réelles. Et vraiment, bravo à tous, bravo aux coureurs qui ont testé pour nous, pour vous. Et je pense même que les clients vont être ravis de pouvoir skier sur cette piste, parce qu'elle est abordable, tout en ayant un peu de difficultés, mais sans trop, et pouvoir en effet se faire plaisir d'en haut de la montagne jusque tout en bas. Merci. Allez.
Federico, alors, les compétitions FIS à Isola 2000, comment ça s'est passé? Elles sont passées plus ou moins. On a Victorin Cachou d'Isola 2000 qui est sous les 3 jours de géant et a marché, je pense, bien pour son première expérience en FIS. Il se doit faire un peu d'expérience, mais pour lui, je suis bien content. Pour les autres de la région, sont pas marché pas bien, mais on est dedans le période de travail. Donc on attend encore le prochain fils, ce que se donne. On arrive dans 11 semaines en Italie, on a fait des fils en Italie, ils ont marché pas mal. Mais dans ce sport, le changement de piste, de neige, on peut de courir à la maison, peut-être qu'il a donné de pression. Donc on va accepter ça et on continue à travailler sur ça. Bon, et sinon, cette nouvelle piste à Isola 2000, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une jolie piste. Ils ont fait un bon travail, ils permettent d'avoir ici de compétition de niveau comme on a vu pendant cette journée. Et j'ai envie de voir toute la piste ouverte jusqu'à les derniers murs. Je pense qu'ils donnent encore plus de niveau. Le podium du vendredi. Quand on fait une épreuve, on le fait savoir en même temps, donc merci à vous d'être là. Donc on va commencer par les U18, et le troisième U18, il nous vient du Grand Bornand, et c'est Jules Bord. On commence par le podium U18, troisième c'est Bord Jules du Grand Bornand, deuxième c'est Max Paget. Et premier, c'est Banfi Pablo de Saisy. Voilà, d'abord pour la photo, et ensuite... heureux, évidemment, d'avoir cette double casquette. Je vais déléguer mes pouvoirs à Jean-Louis Anelli, qui représente le maire d'Isola, pour remettre la coupe, le trophée de la mairie de Monaco à Diego Auricchioni de Courchevel. Et le premier, le trophée, est remis par Alain Fiori, secrétaire général de la Fédération Monégasque de Ski. Il vient de Combloux, il avait toutes les cartes en main pour gagner. Le podium du général, troisième, nous avons Favre Guerlain de Courchevel. Deuxième, nous avons Auricchioni Diego de Courchevel. Et le premier, c'est Alexis Brondex de Combloux. De cette édition, Christophe avec nous. Voilà. De cette édition 2018, saison 2018-2019, du championnat de Monaco de géant. Alors, vainqueur sur donc cette piste aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle piste FIS à Isola 2000? Alors, bonjour. Cette piste, moi, je l'ai trouvée assez sympa. Déjà, j'ai fait un bon résultat, donc c'est sûr que je l'apprécie d'autant plus. Mais elle part assez plat. Il faut savoir prendre de la vitesse, la créer et tout. C'est une belle portion de glisse. Et puis après, par contre, la deuxième partie, elle est vachement plus dans le raid. Et du coup, c'est vrai que ça fait deux parties assez différentes et complémentaires. Donc, ça fait une jolie piste pour commencer la saison. C'est sympa. Voilà, et en plus ça t'a porté chance. Ouais, c'est sûr. Donc ouais, j'aime bien moi. On va faire les championnats de France après dessus, donc ça va être bien. Merci.